Zerkteran. Allez. On est sur des breaks. Donc, notre cher Zergmoon, qui a pris des breaks comme map. Donc, très, très bon choix stratégique, puisque cette map est pas trop mal pour les Zergs, puisque les Overlords sont très bien positionnés grâce aux petits tours. On peut le voir, par exemple, devant la B2 ou derrière le gaz, oui. Ouais, mais il peut se prendre un Dorak. C'est une carte où le Dorak est possible. Oui, mais c'est dangereux. Ouais. Il peut se prendre un Dorak, mais... Je pense pas qu'il y a de meilleurs choix Zerg contre Terran dans le map pool. Je sais pas, les grandes maps, là, Whirlwind ou je sais pas quoi. C'est pas des meilleures maps pour Zerg versus Terran? Whirlwind. Bah après, peut-être que Moon a préféré cette map parce qu'il a joué beaucoup plus souvent dessus. Ouais. Ah, et en plus, l'arrière, qu'est-ce qu'il part? Il part sur un pool 9. Énorme. Donc il est parti sur de l'agression. Pool 9, ça... J'espère qu'il a CC first. En fait, ça répond à plusieurs options du Terran. Si le Terran part CC first, il peut faire mal. Le Terran part sur un double proxy rack, alors ça dépend comment c'est joué de la part de Moon, mais ça peut faire mal. Mais si le Terran part sur one rack expand et le voit à temps, et Moon, l'opener du Moon va être complètement nullifié. Donc là, tout dépend de ce que fait le Terran. Tout dépend du wall s'il le fait tout de suite, parce que des fois, les Terran font un supplice direct pour finir le wall. S'il était parti sur réacteur Rélion, tout de suite, là, il avait pris un gaz, bon, c'est pas le cas, mais s'il avait pris son gaz à 13, ça aurait été catastrophique pour Moon. Donc, et là, là, c'est dur, parce que en fait, ce BO qu'il est en train de faire, Moon, c'est contre un CC first. Il pensait que Center allait faire un CC first. Il envoie direct un drone, parce qu'il espère pouvoir arriver avec ce drone avant que le wall soit fini. Donc, se positionner entre la Rax et en bas pour dire non, tu le fais pas. Il y a Meglin qui arrive. S'il peut faire ça, il peut faire mal. Le problème, c'est que je pense pas que ça va pouvoir faire. Regarde, attention. Alors, on va voir comment il va le concrétiser ça. Il va le faire ou pas? Il va le faire ou non? Donc là, il va rester normalement ici, je pense. Là, la prudence voudrait que Center pose le supply avant le command center parce qu'il a vu un drone. Ce serait une réaction prudente. Mais il va faire le command center. Regarde. Ouais, mais là, il va être vu. Ça va être vu, Center. Et je pense qu'il va avoir le temps de voler. Alors, est-ce que Center a été vigilant? Il a été vigilant. Il envoie le VCS. Il va voler. Par contre, il faut cancel. Ça, il peut le cancel dorénavant, sinon il va perdre un VCS. Ça je pense qu'il ne peut pas le défendre. Il peut le défendre, tu penses? Il peut peut-être défendre avec des SCV, mais voilà quoi. C'est ce qui va se passer là. Il va essayer de tuer le supply dépôt, parce que là, il ne peut pas se faire réparer pendant qu'il l'a annulé. Du coup, il perd le VCS. C'est pas grave. Il sait qu'il y a un pool 9, pool 10 qui arrive à ce timing-là. Il sait que le Terran sait déjà que c'était un pool 9 ou pool 10. Ouais. Donc, c'est-à-dire que niveau économique, il n'est pas trop mal. Il fait le CC chez lui maintenant. Il peut lancer deux CC là. En plus, il fait gaz, donc il est parti sur Elion. Et là, c'est une en plus, il le voit avec le SCV. Donc là encore, il va center, se dit bah tiens, il m'a refait encore un petit cheese agressif pour voir me faire mal au niveau économique. Il m'a pas fait si mal que ça. Et là, les Zergling qui se disent oh non non, on n'a pas pu attaquer. On sait. Les copains, qu'est-ce qu'on fait? Ils vont rien faire. On va rien faire. On est dans la merde, mon pote. Ils vont rien faire. Ils vont se promener dans la map. Ils vont essayer de trouver le SCV. Mais là, on est dans la merde. Là, ils peuvent rien faire, et c'est triste d'avoir une sigling dès le début, et ils peuvent rien faire avec, toi. Il va se promener, il va essayer de prendre le contrôle de map. On va se faire cramer par des lions. Et là, il y a troisième CC. Bah ouais. Oh là là, tellement bon. Et tu sais ce qu'il a fait, regarde, il a pris un gaz en fait, mais il a miné 15 avec un seul VCS pendant tout ce temps. Donc ça, c'est brillant de la part de Center. Double CC parce qu'il sait qu'il est devant. Et il récolte pas du gaz dont il a pas besoin pour poser son deuxième CC. Donc et là, il prend ses deux gaz pour partir enfin sur réacteur. Les Marines derrière le minerai. Oulala, il essaie de contrôle. C'était un peu risqué. C'est dommage. Bah là, les Zerglings sont là. Ouais, super, on est là pas pour rien. Il a quand même tué deux Marines. Là, le Marines qui est vraiment bien positionné. Tranquillement. Le Marines qui va gagner. Ah, le duel. Oh, il y a le Marines qui a 4 kills. Wouhou! C'est la champagne. Et là, le troisième. Et là, maintenant, il est tranquille. Il sait qu'il peut prendre, il peut mettre le deuxième CC sur la B2. Donc, il va bientôt s'envoler, je pense, après avoir fini son central. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut faire un point économique, récolteur? Un point récolteur. Ouais, 21 et 2 mules, et bientôt 3 mules, hein, puisqu'il y a 3 CC contre 26. Donc, le Terran qui est devant, qui a quand même bien débloqué sa tech, il va bientôt pouvoir lancer des lions. Et Moon qui s'accroche, et qui mine du gaz. Pour faire spinning, mais sûrement peut-être encore Bending. Ouais, il va faire. Tu sais quoi? Je pense qu'il va faire il va refaire un Bending Bust là. Bending ou Roach? Bah, ou Roach. Ah, attends, j'essaye de. T'essaies d'attendre le bâtiment qui sort, c'est ça? Avant de dire ce que tu veux dire. Ah, donc je pense que ça va être du Bending. Je pense que ça va être du Bending. Ah bah. Ah bah tiens, n'oubliez pas qu'on a un petit délai donc.
C'est la vieille esquisse. La vieille esquisse. On a un petit délai, donc le bâtiment a été dit après qu'on ait dit. Et donc, oui, donc encore un gros cheese. Moi, je m'attendais à Roach parce que ça, genre, je vois pas comment ça peut passer. À part si un miscontrol, le problème, c'est que là, il y a les hélions qui sont sortis, je crois, non ? Non, mais et là, le pire, c'est que son attaque, elle va arriver. C'est pas deux hélions qu'il y aura. Quatre. C'est quatre. Le bunker bien positionné. Que là, il faut une erreur monstrueuse de la part de Center et qu'ils perdent quatre hélions. Hein. C'est quatre premiers hélions. C'est-à-dire que je vois pas cette erreur arriver, surtout qu'il se l'est pris sur la première partie. Je vois pas comment cette attaque pourrait passer. S'il est vigilant, il voit qu'il y a le speedling, il voit qu'il y a les ailettes. Ouais, il l'a vu. Alors là, qu'est-ce qu'il va faire direct ? Il faut qu'il soit prudent. Il fait deux hélions tranquillement. Est-ce qu'il l'a vu ? Il a pas pu. Mais la vue du terrain, s'il vous plaît. Il voit des glings en bas. Ouais, il voit pas mal de glings, deux quatre. Il a dû les voir. Il est en train de sur la B3, il y a beaucoup de lignes et de belles lignes qui est en train de se faire. Et là, il fait plus de drone, il produit beaucoup de lignes là. Ouais, complètement all-in. Donc là, il est complètement all-in, les hélions qui s'étaient vus. Center qui l'a vu, attention, les hélions en bas. Ah, ça va peut-être passer, hein, faut faire gaffe. Hein. Ça peut faire mal, mais regarde, on voit sur la B2, il va essayer de s'échapper, regarde, il va essayer de viser les SCV, alors, il y a quand même pas mal d'SCV qui sont morts. Bon, après, il n'y a plus de banning pour tuer le wall en haut. Il reste des hélions. Et là, il reproduit encore des glings. Là, c'est parti vraiment pour un gros all-in. Là. C'est pas un cheese. C'est je veux finir la game maintenant. Donc, je vais détruire ça. Je vais sûrement faire encore des banning pour tuer. Là, le truc, c'est. Là, les hélions qui se font circle aussi. Et donc, c'est le plus d'hélions qu'il a perdu. Là. C'est dur. Là, c'est quand même dur de center. Parce que là, tu regardes le wall qui est là. Il fait 6 banning. Il tue 2 supplis et le réacteur, comme ça, d'un coup, il tue les trois d'un coup. Ouais, c'est même 5 bending et il va les faire. Il va passer à l'attaque. Finalement, ça peut passer là, hein, ça peut passer. J'avoue, ça peut passer. Ça peut passer, mais d'ailleurs, il faut que ça passe hein, parce que il reviendra pas. Je pense pas qu'il reviendra dans la partie. Il faudrait qu'il lève son deuxième command center. Moon qui est complètement all-in. Mais après cette attaque, il change d'avis. Il lance 10 drones, B3 et des gaz. Parce qu'il sait qu'il va faire mal là, qu'il peut faire mal maintenant et que derrière, il sait qu'il y a 3 CC qui peuvent s'envoler. Donc il faut juste faire attention. Et là, les baleines qui vont arriver, qui vont taper. Voilà, ils vont taper les trois qui vont exploser. Non, même pas. Allez. Il aurait pu tout exploser et. Oh, ça va. Mais la contre-attaque va être là. Alors, est-ce qu'on peut faire un point incom 31 et 3 mules. 31 et 3 mules. Donc, le Terran qui est légèrement devant au niveau économique. Et niveau technologique aussi. Qui est devant au niveau technologique, mais ça, on a vu que c'était le cas systématiquement avec Moon. Mm. Mais qu'est-ce qu'il va choisir de faire ? Il rescoute des Bellings. Il voit qu'il y a beaucoup de Zerglings, donc il s'attend à une nouvelle attaque. Mm. Et là, il ne fait pas la même erreur que tout à l'heure. Les Hélions, ils ont fait tout le tour. C'est-à-dire qu'il a laissé les Bannings arriver sur la B2, alors qu'il était parti sur la Tower Naga. Il est parti après par la gauche et sur la B3 et revenir sur la B2. Et ça, il dit non, je ne vais pas refaire la même. Allez. Je vais voir d'abord la B3. Et voilà, là, il va essayer de tuer encore des hit and run les Zerglings, parce que les Zerglings ont la même vitesse que les Hélions. C'est un tout petit peu plus rapide, je crois. Sauf si c'est sur le creep. Le creep, voilà quoi. Quand tu es sur le creep, tu peux te faire circle si facilement. Allez, attention, petite surprise. Oh. Ils se sont croisés, mais ils se sont pas vus, je crois. Et là, ils pourraient refaire un run by, mais bon, je pense qu'il y a quand même pas mal de troupes qui attendent. Voilà. Le wall qui n'est pas encore fini, il y a encore un petit trou à droite. Donc, c'est un trou, ça ? Ouais, c'est un trou. Ah ouais. Là, sur certaines maps, tu as un trou comme ça, mais en fait, les unités peuvent pas passer. Mais là, il y a un roach qui peut même passer. Pas un ultra, mais un roach. Ça sent le Zerg qui a l'habitude d'agresser de profiter de ses petits trous mais j'ai l'habitude quand je vois un petit trou et que le Terran ou le Protoss ne voit pas ça, et donc je dis vas-y, je rentre dedans quoi. Alors, est-ce qu'on peut nous mettre la vision du Terran de TSL Center? Est-ce qu'il a vu la B3 en fait? Non, il l'a pas encore vu. Il y a une Banshee qui va arriver là sur la. Ah non, c'est un Viking. Ça, c'est pas mal, hein, le choix de faire un Viking. Il sait que son adversaire a consacré son gaz pour faire des Bannings. Ouais. Du coup, qui n'a pas de muta et du coup, qui peut sniper. Il est en train d'essayer de chercher les Zerglings, là. Allez. Il va les voir. Il les a vus, voilà. Allez, c'est parti. Et là, le truc, c'est que Center est pas si... là, il va faire un contre-attaque. Voilà, c'est parti. Peut-être un bon petit timing avant le Banning Speed. Ça peut faire très, très mal, là. S'il n'est pas vu, en plus il n'est même pas vu, donc grâce au Viking il a pu tuer les Overlords qui étaient positionnés pour voir sur les montées entre les B4 et tout, et donc là il n'a pas pu voir, et là ça va faire très très mal. Les Marines, j'ai pas vu, ils sont 1-1 ou 0-0 ? Je pense qu'ils sont à 0-0 là, non ? 0-0 avec le steam et le bouclier, allez ça passe à l'attaque, le 1-1, il a rien contre, le 1-1 qui est lancé juste avant l'attaque. En plus il vise les Bannings, regarde. Ouais, et le creep n'est pas avancé. Du coup, les Bannings, sans la vitesse et sans le creep, ça va être ultra difficile. Attention, parce que les Zerglings sont derrière aussi, hein. Il y a d'autres Zerglings derrière. Là, il va se faire circle. Hein.
Il va se faire circle. Allez, belling, belling, belling. Ah, oh, c'est pas mal, c'est pas mal. Oh, c'est très bien joué de la part de Moon. C'était très, très chaud. Hein. Ça aurait pu jouer de rien du tout. Il aurait pu perdre la game là-dessus. Et non, les Zergling étaient bien positionnés sur la B4, cachés en attendant de cette attaque. Et... Ok, Moon qui reste en vie. Il reste en vie. Mais... il a B3. Mais il est toujours en train de payer son agressivité de début de partie. Quoi. Ouais, c'est dommage. Ça. Et en fait, Center, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est un joueur... il est solide. En début de partie... c'est très très difficile de l'agresser quoi. C'est... j'ai l'impression quand je le vois jouer, je me dis ok, ce mec, on lui a déjà tout fait sur le serveur coréen comme agression Zerg de début de partie. Surtout que serveur coréen c'est très agressif. Hein. Autant lancer B3 B4 dès le début et pas chercher à l'attaquer, hein, juste macro macro. Le Zergling est en train de se fight là tout seul là. Ouais, je. Là il y a B4 direct, tu vois, il a remarqué qu'il prenait B3, et là il y a B4 direct de Moon, réponse. 3 Overlords, très bonne réponse. Viking. Tiens, est-ce qu'on peut voir la, le map control de Moon cette fois? Il a plus d'Overlords sur la map. Il est juste sur la B2 normalement. Non, de Moon. Ouais, sur la B2, il, voilà. Ouais, celui-là il a pas encore été vu. Ok. Et alors, la défense de Moon. Donc il a, cette fois il a pu rechercher le 1-1 de son armée, voilà, le 2-2 qui est lancé de la part du joueur Zerg. Cette fois, niveau upgrade, il est pas trop derrière. Il a plus trop de map control. Niveau économique, je pense qu'il est quand même encore un peu derrière. Mais voilà, il est, pas... il est encore largement dans la partie. On va voir ce qu'il va réussir à en faire. Ah, il voit le drop. J'espère qu'il a vu le drop. Mais le drop voit le run-by. Ouais, il voit le run-by, le drop a été vu. Il y a une incursion. Oulala, 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 oulala. Le petit steam, voilà, genre soulève. Est-ce qu'il va... là, les terrains, souvent, balancent juste un Marines par un Marines pour que tous les bannings pètent, en fait. Et là, il y a une grosse, grosse contre-attaque. Voilà ce qui est en train de se passer là. Oh, c'est bien ce qu'il fait. Il a droppé les Marines pour sniper les Banelings. Il en reste 5, 4. Il s'est vu qu'il s'échappe. Il va s'échapper. Voilà. Il s'échappe. Le et drop qui va rien faire de chez lui sur la B1. Ouais. Les attaques des deux protagonistes ont été nullifiées. Donc, deux joueurs au final qui sont meilleurs, peut-être meilleurs en défense qu'en attaque à chaque fois. Et on voit que Moon a perdu beaucoup plus sa défense de valeur super bien. Le bureau. Le bureau. Bureau. On dit bureau comme ça, il va pas être content. Le bureau. Le bureau et. Ah, il a. Attends, est-ce qu'il l'a fini le bureau? Oui, il l'a fini. Ok, d'accord. Il l'a pas annulé parce que j'ai. Non, non, il venait juste de se finir. Okay, voilà, hop. Il doit l'avoir. Voilà, il vient de se faire juste devant nous. Ok. Merci. Ah bah, petit ouais. Okay. Et du coup, il va pouvoir exploiter l'enfouissement. Allez, B4 qui est posé de la part du joueur Moon, le joueur Zerg, qui essaye, qui essaye, qui essaye tant bien que mal d'infliger du dégât à Center. Mais Center... Oh, le drop qui va être vu en plus, regarde. Center qui... vu. Ouais. Ah, il va pouvoir complètement le cancel, non? Ça attaque pas. Mais j'ai envie de dire, Center qui est inébranlable, un petit peu comme le World Trade Center. Nice. Ah. Oh. Chapeau, chapeau. Des ballons. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer? Bah là, ils sont en train de se dire, tiens, je vais avec mes infesteurs sur la B4, peut-être qu'ils prennent cette B4, mais non. Les Terran préfèrent prendre la B4 au milieu de la map, parce que c'est pas trop mal du tout, bien positionné. On voit que Center veut peut-être agresser, parce que pour tuer ce rocher, c'est vraiment pour pouvoir aller sur la B4 de Moon plus rapidement. Le drop qui a dû être vu, il a mis une spore, mais... De toute façon, à ce moment de la partie, c'est toujours un bon réflexe de mettre des spores sur cette carte, dans sa main... Et il commence à s'avancer là. Center prend des bons positionnements. Et là, ça va être vraiment. Oh, le bon fungal là. Allez, prise de fight. Les tanks qui sont en mode siège. Hein. C'est difficile à prendre cette fight pour Moon. C'est une fight qui est très difficile à prendre. Il la prend quand même là. Il la prend. Heureusement qu'il y a eu un fungal sur les Marines ici. Mais est-ce qu'il va réussir à nettoyer ça? C'est pas évident. Parce il peut, hein, ça... Là, il peut là. Facilement. Et en plus, il y a le drop surtout de la B1. Parce que, en fait, cette attaque est menée pour faire un bon petit drop sur la B1 pour le faire mal en même temps. Et là, vraiment. Oh, c'est tendu. Heureusement, le 2-2 de Moon, il a heureusement cette contre-attaque était timée sur le 2-2 de Moon. C'est ça qui lui a permis de défendre. Et le drop, regarde ça. Il prend des dégâts énormes dans sa main. Et du coup... Et c'est ça qui est affolant, c'est que le Terran joue vraiment bien multitask. Il sait que niveau front, il va peut-être perdre la fight, mais le plus important, c'est grâce à cette fight, il va pouvoir dropper sur la main, faire très mal aux Zerg niveau économique et niveau, bâtiment qu'il peut détruire. Et derrière, il peut pas, enfin, le Zerg ne peut pas défoncer le Terran derrière. Et donc là, ça va être très très chaud pour Moon là. Mais j'ai l'impression que. Mais bon, c'est une belle, très belle game là. Hein. Ah, c'est clair. Franchement, très bon jeu. Mais l'image que ça donne, c'est. Moon, c'est un peu comme un moustique en fait. Oula, un attention, moustique, déjà là, ça part. Ça un part. Moustique qui s'éclaterait contre une vitre en fait, tu vois, genre qui fait. Tu vois. Et le moustique, il insiste. Ah, regarde, regarde. Et oula, en face, les infesteurs n'ont pas été vus. Oh, le bon ça va scanner, s'il scanne. Non, non, s'il scanne, s'il scanne, c'est vraiment la fin de game. Là, il n'a pas scanné parce qu'il y a la tourelle là. La tourelle qui a été vue. Ok.
T'as cru qu'il avait scanné? J'ai cru qu'il l'avait vu, mais... Il l'avait vu grâce à la tourelle, en fait. Mais là, il aurait pu scanner, parce qu'il l'aurait scanné, c'était vraiment le tourment de la game. Genre, perdu d'Infestor là-dessus, c'était horrible. Là, ça va être vu. Ah bah là, je pense qu'il va scanner, là, pour le coup, non? Ouais, mais il va perdre le CC, hein. Donc là, finalement... Allez, le scan. Alors, je crois qu'il y a un scan juste au nord. Infestateurs... Et alors, le CC, il ne le perd même pas. Il ne perd même pas le CC. Et là, c'est une contre-attaque, là. Center qui prend l'avantage. Attention. Est-ce qu'il... Il tue le CC. Boum ! Elle explose. Oh, le banding qui n'a pas explosé. Regarde tous ces SCV qui part avec un HP. Allez. Et là, le problème de cette attaque, c'est qu'il a perdu tous ses infesteurs. Il a réussi à tuer pas mal d'SCV, mais il a perdu la B4. Et... Ah, perdre autant d'infesteurs, c'est dur dans cette game-là. Il leur fait 7. Est-ce qu'on peut faire un point income? 55-60, c'est super serré. Et au niveau troupe, par contre, Moon est derrière. C'est vrai qu'il a perdu 8 infestateurs. Il a pris super cher. Le Zerg prend cher. Ouais, Moon, il joue vachement sur les run-by, en fait. Il joue énormément sur les run-by. Très agressif. Comme Center défend très très bien. Il est vraiment super solide en défense, center. Il n'est pas très agressif, hein, mais attention. Il attaque au bon moment, avec les bonnes positions. Là encore, ça, c'est une position qui est difficile à déloger. Cette fois, il y a des maraudeurs dans la composition de center. En plus, il n'est même pas dans le clip, donc c'est-à-dire qu'il va pouvoir faire un bon... Regarde. Voilà, ça va être très chaud parce que les tanks sont vraiment très bien positionnés, ils sont vraiment derrière les Marines qui s'avancent, qui vont devoir reculer pour ne pas se faire des fongales. Ouais. Les tanks qui visent les infestors. Il n'y arrive pas, ça ne va pas passer. Le Terran va pouvoir gagner cette game. Ouais. Oh, il y a un run by encore qui s'est passé, mais bon. Ouais. Ouh, quand même un bon petit run by qui a fait mal. Mais voilà, quoi, tu perds cette base, tu perds toutes les unités, les infestors qui vont peut-être être tués, sauf s'ils font bureau et que ça ne va pas être scanné. Alors, B4 de Moon qui prend la GG. Waouh. Moon très, très agressif. Center très safe, tranquillement. Pépèrement, il comprend le jeu, il joue pépèrement, il se dit, il a son café, tu m'attaques, tu m'agresses, moi. Ça ne passe pas, puis après j'avance tranquillement, et je te donne une baffe.